Bien, eh bien, merci d'être venus, nombreux. Ce soir, une soirée particulière. Je tiens à remercier Maya Elliott, Marc-Henri Lamande et Louise, qui accompagnera sur un morceau au violoncelle. Je vous souhaite une bonne soirée, merci d'être venus. Au revoir. Enfin, à tout de suite. C'est fini. Thank you.
lumière qui ressemble à l'amour, comme l'appel de certains paysages de nos rêves, comme l'encerclement de certaines collines, une sorte d'argile matérielle dont la forme est comme moulée sur la pensée. Qu'est-ce que cette mort ? Nous sommes à jamais seuls. Où l'amour ne nous montre pas le chemin.
faire, alors je m'en vais. Si je mange pas, je vais jouer. Il y a des dieux, s'il n'y a pas de dieux. Et au-dessus des dieux, la loi inconsciente et criminelle de la nature dont les dieux et nous, c'est-à-dire nous les dieux, sommes victimes, solidairement. C'est le paganisme qui a eu raison et les hommes qui sont d'éternels saligots ont trahi la vérité païenne. Le Christ, ensuite, est revenu pour remettre au jour la vérité païenne sur laquelle toutes les églises chrétiennes ont chié ensuite avec ignominie. Le Christ était un magicien qui a lutté dans le désert contre les démons avec une canne et une tache de son propre sang est restée sur cette canne. Elle s'en va quand on l'efface avec de l'eau, mais elle revient. Il y a dans certains hommes un Dieu qui revient. Et ces hommes luttent contre ce Dieu, car ils les fatiguent matériellement. Mais les dieux s'affirment toujours. Les dieux ne prennent pas le pouvoir, car ils ne s'affirment par destination et par nature que pour détruire le pouvoir. Oh, écoutez la vérité païenne. Il n'y a pas de Dieu, mais il y a des dieux. Et au sommet de la hiérarchie des dieux, le plus grand dieu dont parle Platon, lequel, comme tout ce qui est victime de la nature. Ce n'est pas un criminel, c'est un impuissant, comme nous. Car ce qui est criminel, c'est la nature. Et la nature elle-même, qu'est-ce que c'est? En elle-même, rien. Elle est ce rien dont parle Lao Tzu, d'où pourtant est issue la vie. Ça veut dire, hein? Ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir que ce qui est ne soit pas et qu'il n'y ait rien. C'est une absurdité essentielle que de le penser. La loi veut qu'il y ait quelque chose. Mais il nous a été donné de détruire la loi. La révolte contre Dieu, le Dieu des magiciens noirs, est une faiblesse et une absurdité parce qu'il n'y a pas de Dieu, mais il y a nous-mêmes. Et quand nous nous révoltons contre ce soi-disant Dieu, nous nous révoltons contre nous-mêmes. Et c'est notre perte même que nous créons. Anaximandre, l'initié de l'école d'Ionie, l'avait dit, c'est de l'infini que proviennent les êtres, et c'est à lui qu'ils retournent suivant une loi nécessaire. Car ils sont châtiés, et ils expient, selon l'ordre des choses, leur réciproque injustice. La force de la loi a expulsé des êtres. Elle les a mis dehors, dans la vie. Ils sont sortis de l'infini du rien, car ce qui est quelque chose n'est plus l'infini. Or, de l'homme à l'infini, les êtres ont toujours fait triangle. Et les dieux ont toujours fait triangle. Et ils tendent vers l'infini qui les remange. Car il est ennemi des dieux l'infini, comme il est ennemi de Dieu. Cet infini, ce rien, c'est le non-être des hindous. Et de l'homme au primordial non-être, nous sommes ce non-être. C'est Dieu à travers une formidable hiérarchie de Dieu. La vie ne nous est donnée. Et nous ne nous sommes laissés aller à la vie, puisque c'est nous qui avons fait la vie, que pour punir en nous cette force criminelle d'être. Qui ne nous laisse pas de repos. Celui qui fuit la vie, il aide au bénéfice de la destruction de la loi, mais il retombe sous le coup de la loi. Mais il faut détruire la loi, car le seul secret est d'apprendre à détruire la loi pour ne plus être, ou pour être au-dessus même de l'éternité. Et cela aussi, c'est la loi. Car l'éternité ne donne pas le repos. Et la loi... et de revenir au repos,
au-dessus du possible et de l'impossible, au-dessus des éternités. Le principe de contradiction qui est dans la nature même de l'être, il faut tuer jusqu'à l'être pour échapper à la contradiction. Être dans la vie, en refusant la vie. Celui qui a su supporter de vivre en s'interdisant la joie de la vie, ben celui-là, lui, il a gagné son repos parce qu'il ne revient plus. Car il a gagné de rester dans le non-être. Hein? Et même si la nature criminelle ressort, parce qu'elle n'a pas de repos, lui, il ne ressort pas, elle ne ressort plus jamais dans la nature. Il échappe à la hiérarchie de Dieu. Il n'est ni le premier Dieu, ni le dernier homme. Il demeure dans l'irréalité. Et il y a autant de dangers à risquer d'être le premier Dieu qu'il y en a à risquer d'être le dernier homme. Et il y a eu autant de premiers dieux que d'éternité, et il y aura toujours un premier dieu et un dernier homme. Ce qui importe, c'est d'échapper à ce cercle qui n'arrête pas de recommencer. Et ça, c'est pas une théorie, mais la vérité. C'est la vérité, nue et traduite, hein, autant que ces choses peuvent se traduire. Ceux qui ne voudront pas la comprendre, eh bien, on leur cassera la gueule tout de suite. Cette fois, oui, car cette vérité sera imposée par la force, étant salutaire. Mais les hommes ne comprennent pas la force de la vérité. La vérité de la force, ils comprennent que ça, la vérité de la force, qui leur fait accepter ensuite de tout cœur et en pleine conscience, la force de la vérité. Bon, je suis contre les juifs, dans la mesure où ils ont renié la Kabbale. Tous les juifs qui n'ont pas renié la Kabbale sont avec moi. Les autres, non. Bon, c'est possible que j'aille en prison d'ici quelques temps, mais ne vous inquiétez pas, ce sera volontaire et pour peu de temps. Je vous ai dit que j'avais lu dans les tarots que j'aurais à me battre avec la justice, mais que je ne savais pas si elle me casserait la gueule ou si c'est moi qui la lui casserais. Eh bien, c'est moi qui la lui casserais.
été déporté d'Irlande et au Havre, transporté du Havre à l'asile Sainte-Anne à Paris, de l'asile Sainte-Anne à Paris à la ville de Villebrard, de l'asile de Villebrard à la ville de Rodez. Je connais les déportations. Être déporté est en effet un fait et un état que je n'étudierai pas médicalement ou scientifiquement parce que je hais autant la médecine que la science. Je me suis vu en plus interné et j'ai eu le temps pendant des années de paillasse et de cellules, couché sur des paillasses dans des cellules, de penser à ma situation de transplanté, d'exilé. Quoi qu'il en soit, je me suis vu un certain jour enlevé de mon domicile, non par la force de la tempête ou du mistral, ou de la bourrasque ou d'un orage électrique, mais par cette espèce de force sans nom et qui n'eut jamais que les petits visages, les indifférents qui la représentent et ne marchent que parce qu'ils sont là pour se faire commander ou salarier. Et qui nous vient cette force, qui ne vient que de la décision unilatérale d'un certain nombre de larrons en foire qui représentent le gouvernement, la police, l'administration. Mais l'horrible de la chose n'est pas pour moi la transplantation. Il n'est même pas dans le fait de n'être pas son maître. Il est dans l'insolite pouvoir de cette chose qui n'a pas de nom et qui en surface, mais en surface seulement, s'appelle société, gouvernement, police, administration, et contre laquelle il n'y eut même pas le recours des révolutions dans l'histoire. Parce que les révolutions ont disparu. Mais la société, le gouvernement, la police, les écoles, enfin, je veux dire, les transmissions et transferts de croyances par les totems de l'enseignement, eux sont toujours restés debout. On pourrait croire qu'il n'y a rien à faire. C'est ainsi que les violés endorment l'esprit du viol en s'offrant tous membres ouverts à la gourmandise de l'effracteur. Mais n'y a-t-il pas dans la déportation un viol, une entrée par effraction douce, enfin, douce d'abord, une horde de corps étrangers dans le ventre? Ouais. Je me suis toujours demandé ce qui provoque dans l'histoire notre soumission à nous, l'individu, à cette espèce de coercition des armées, ce qui fait que quand l'appareil social, administratif ou policier s'ébranle, nous ne pensons pas à première vue à protester. Il y a de ci, de là, des révoltes, bien sûr, mais toujours le vieux cadre revient, comme s'il était entendu que la révolte n'est là qu'en vue d'un réajustement du cadre, alors que c'est le cadre lui-même, n'est-ce pas, la société qui doit s'en aller pour que les gens puissent vivre en paix, enfin. Bon. La société, elle a contre nous la force, c'est entendu, mais d'où vient-elle, sinon de notre adhésion à tous, à la force de la société? C'est quand même pas un fait, mais une idée. C'est une simple idée, c'est une fausse idée de nos corps, qui depuis si longtemps nous opprime. Alors qu'est-ce qu'on attend pour la faire sauter? Il y a dans l'exil un envoûtement. Celui de cet esprit étranger qui recouvre nuit et jour un homme et lui demande de suer sa conscience dans son sens. C'est du modelage, mais pas opération. On malmène que les récalcitrants. C'est pas la méthode, c'est pas la manière, je veux dire, le procédé secret de le comportement profond de l'oppresseur en face de l'opprimé que de lui abîmer d'abord son corps. Non, 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 le conquérant ne détruit pas le vaincu. Il n'a pas intérêt à se débarrasser du vaincu, mais à le pénétrer d'un venin propre, jusqu'à ce que le semblable s'assimile au semblable en lui, et que le vaincu ne soit plus là, mais son corps seul, avec la conscience du seul vainqueur. C'est
cette opération de parlement est courante. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est volontaire et concertée. Et elle est faite, je veux dire, elle est vécue par un certain nombre d'individus qui n'ont pas d'autre fonction que de penser aux individualités intéressantes ou alors et de faire tout pour leur communiquer leur virus de déportation, d'internement, d'emprisonnement, de servage et celui de nationalité. Hitler pratiquait cette opération en grand. Au vrai, il ne s'appelait pas Hitler. Parce que Hitler, c'est pas un nom qui, en Yougoslave, en Moldovalak, en Tchèque, peut se mettre sur le plan de hippie, hurrah ou alléluia, ou hosanna, ou des profondes. Hein. Mais c'est un nom, c'est une espèce d'exclamation qui peut se mettre sur ce plan-là quand le nom de famille ne s'y met pas. J'ai oublié son nom de famille. Je l'ai rencontré à Berlin, en 1932, dans un café. Un café qui aurait voulu être sous Cuteldom à Montparnasse, mais qu'il n'y arrivait pas. Et il s'appelait le Romanisches Café, le café du Romanichev. Car le soi-disant Hitler se faisait passer pour un bohémien. Moi, je tournais un film sans importance qui s'appelait Coup de feu à loup. J'en avais tourné un dans le courant de l'année précédente, un souvenir duquel, par contre, je tiens beaucoup, et qui s'appelait l'Opéra de Katsoum. Et j'avais reçu, au cours de ce tournage, la visite d'un gendarme qui me fit peur et puis se révéla comme un ami et me dit « cracher sur l'hitlérisme ». Mais l'authentique Hitler du Romanisches Café, lui, il me dit au contraire vouloir imposer l'hitlérisme, comme on imposerait le hippoura ou comme on a voulu créer un jour l'Eurasie, l'Europe-Asie. Tout à la lire, ça. Bon, je lui ai dit qu'il était toc-toc d'avoir des idées comme ça. Et que d'ailleurs je le connaissais depuis longtemps comme un soi-disant initié, c'est-à-dire comme un mégalomane, envoûteur. Et puis l'un des types les plus accomplis de la race de ceux qui ont la prétention de mener les peuples, non par des actes, mais par des idées. Je veux dire, des mouvements magnétiques, d'idération, des ondes psychiques, enfin, etc. Bon. Il s'en suivit une épouvantable bagarre, au cours de laquelle le soi-disant Adolf Hitler fit appeler la police pour me faire arrêter, et elle vint, et dans la bagarre, elle prit ma défense contre ce répugnant Moldovalak, qui ensuite prit le commandement de l'Allemagne, sous le nom présupposé de Adolf Hitler. Bon, mais cet Hitler-là, hein, l'Hitler de l'histoire, était en réalité un Moldovalak, c'est-à-dire le fils d'une race d'anciens pendus, connus pour leurs ténébreuses manigances sur le souffle des anciens morts. Bon, Hitler est mort. Mais sa race n'a pas fini de nuire. Elle l'appelle partout, sa race. Vous connaissez la légende de la mandragore, cette espèce de souffle semence qui pousse, dit-on, au pied des potences, sur les cadavres des pendus, hein, et qui serait venue d'une projection de leur sperme au moment de leur strangulation. Mais Hitler, en secret, il s'en prétendait issu. Bon. De par leur manigance et leur tour de passe-passe, une déportation plus grave nous guette tous. Quelque chose comme un transfert de je ne sais quoi, de nous-mêmes vers on ne sait où. Alors que nous ne sommes plus là, et que l'hitlérisme aurait pris partout une place, à la place d'une Europe et d'une Asie, quelque chose comme une Eurasie. C'est un mythe. Il y en a d'autres. Mais nous sommes environnés de mythes qui vont se coucher sur nous. What can we do? Il faut construire une scène de planche pour y danser les mythes qui nous martyrisent et en faire des êtres vrais avant de les imposer en tous par la mandragore séminale de la force des idées.
Trouver maintenant la grande loi du cœur. Une loi qui ne soit pas une loi, une prison, bien sûr, mais un guide pour l'esprit, perdu dans son propre labyrinthe. Plus loin que ce que la science pourra jamais toucher, là où les faisceaux de la raison se glissent, se brisent plutôt, contre les nuages, ce labyrinthe existe. C'est un point central où convergent toutes les forces de l'être. Les ultimes nervures de l'esprit. Dans ce dédale de murailles mouvantes et toujours déplacées, hors de toute forme connue de pensée, notre esprit se meut, épiant ses mouvements les plus secrets et spontanés, ceux qui ont un caractère de révélation. Cet air venu d'ailleurs, tombé du ciel. Bon. La race des prophètes s'est éteinte. L'Europe se cristallise, se momifie lentement sous les bandelettes de ses frontières, de ses usines, de ses tribunaux.
de ces universités. L'esprit gelé craque entre les ailes minéraux qui se resserrent sur lui. La faute en est à vos systèmes moisis. À votre logique de 2 et 2 font 4, la faute en est à vous, recteur. Pris au filet des syllogismes, vous fabriquez des ingénieurs, des magistrats, des médecins, à qui échappent les vrais mystères du corps. Hein? Des faux savants, aveugles, d'un outre-terre, des philosophes, quel philosophe, prétendent reconstruire l'esprit. Le plus petit acte de création spontanée est un monde plus complexe et plus révélateur qu'une quelconque métaphysique. Laissez-nous donc, messieurs, vous n'êtes que des usurpateurs. De quel droit prétendez canaliser l'intelligence? Vous décernez des brevets d'esprit? Vous ne savez rien d'esprit. Vous ignorez ces ramifications les plus cachées, les plus essentielles, ces empreintes fossiles, si proches des sources de nous-mêmes, ces traces que nous parvenons parfois à relever sur les gisements les plus obscurs de nos cerveaux. Au nom même de votre logique, nous vous disons, la vie pue, messieurs. Non, regardez un peu vos faces, considérez vos produits. À travers le crible de vos diplômes, passe une jeunesse efflanquée, perdue. Une jeunesse qui s'emmerde. Vous êtes la plaie d'un monde, messieurs. Et c'est tant mieux pour ce monde. Bon. Mais qu'il se pense un peu moins à la tête de l'humanité. Thank you.
un peu parce que je ne peux pas chanter ce soir. On a prévu de faire pas mal de chansons. Alors, je pense qu'on va sauter jusqu'au dernier. Signe, Marc-André est là. L'arbre. Tu veux venir? Je sens que je vais être poète.
grand souffle embaumé. Il vient par-dessus les coteaux héliotropes, du fond des âges, et du fond de l'espace, et du fond des siècles. Il contient en lui l'odeur des temps passés, des roses de la Grèce, des bruyères de Galilée, des mains et des pieds du Christ. Et avec cela, il a la fougue d'un baiser de Cléopâtre, le rêve d'une lune sur les eaux, l'ardeur d'une union végétale au fond d'un bois, s'élevant magnifique de l'amour et du baiser des plantes qui vous fera râler. C'est le vent du soir. Je m'en vais. Je me fonds. J'ai l'extase en moi. Il me semble que je nage dans l'air bleu, mes racines allégées de toute étreinte terrestre. Je te baise et je vis. Je t'embrasse et je chante. Je meurs. Qu'importe. Qu'importe. Puisque nous vivons. Nous vivons. Nous avons la vie folle et l'amour en nous. Nous sentons avec des frémissements de volupté le vent caresser nos troncs lilas et roses. Et si nous perdons nos feuilles d'or, dans cette foule, qu'importe, puisque nous vivons, puisque nous possédons le délire de la vie. Thank you.
and peace by your fall. The dreary regions of the day, where all things are gone. Soon what will become of me? Eternal loneliness of wound. This thing my fortune is. Wait, my I from my grave shall rise and see the judgment glory from. En fin de compte, cette soirée était un hommage à la liberté du corps. Bravo. Bon, je l'embrasse.